Salut tout le monde. Nouvel exemple d'une personne qui s'est mis en mobilhome. C'est un petit cabanon, c'est pas un mobilhome. Donc il s'est mis là. Et alors, toujours personne, parce que j'aurais bien aimé un peu dialoguer, sympathiser un petit peu, discuter. On voit que c'est un cabanon, un demi-cabanon qui est là. Alors, est-ce qu'il vit là, le gars, ou est-ce que c'est plus un terrain de loisir? J'opterais plus pour un terrain de loisir. On voit qu'il a une cuve d'eau là-bas, comme celle que j'avais qu'on m'a volée. Il y a des plantations, bon, il y a une table à l'abri. Peut-être un terrain de loisir, parce que je remarque qu'il y a des gens qui vivent comme ça, hein, avec très 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 peu de place. Pas trop, je pense pas quand même, malgré tout, je pense pas trop, mais on voit que sur ce genre de terrain on peut créer des choses, on peut arriver à faire quelque chose de bien dans un tout petit terrain comme ça qui doit faire, je sais pas moi, peut-être 300-400 mètres carrés, allez 500 max, on peut arriver à faire quelque chose de bien. Ouais. Bon, il a fait une entrée avec de la récup. Donc voilà, on voit que c'est pas du tout une adresse, hein, tu vois, il n'y a pas du tout un numéro. Mais il y a du potentiel pour pouvoir se faire un petit coin tranquille, même pour un camping-car, quoi, hein, tu vois. C'est vraiment bien, tu te poses en camping-car, c'est super. Il y a de l'électricité juste au-dessus. Donc il y en a qui la pondent, tu sais. Après, chacun fait bien comme il veut, mais... Voilà, il y a peut-être il s'est sorti aussi l'électricité, il faut voir. Mais c'est pas trop mon kiff, moi je préfère faire un truc autonome avec des panneaux solaires, me débrouiller et être off-grid, quoi, hors réseau. Voilà, je voulais vous montrer cette petite vidéo. Un petit terrain comme ça, ça coûte pas bien cher. Et tu peux te faire un petit truc sympa, même pour ton véhicule, quoi. Voilà, c'était la petite vidéo du jour.